de Joel. Joel. Kids at this hotel. Listen. I'm sorry. You are a nice boy, but I'm too beautiful for you. Goodbye, Brad, from America. You want one more kiss before I go? Are you kidding? Je suis là ce soir pour te dire à propos d'un père qui aimait son fils et un fils qui aimait son père. La façon dont l'histoire va se dérouler pour vous, c'est un peu différent parce que je veux la porter maintenant. Tu vois qu'un père rentrerait à la maison et il allait à l'école et de temps en temps, il allait chercher son fils et dire « Fils ». Pourquoi ne vas-tu pas travailler avec moi? Le garçon adorait ça, et quand son père viendrait le chercher, c'était le garçon le plus heureux de tous les temps. Il savait qu'il pourrait passer l'après-midi avec son père au travail, et il obtiendrait son manteau et il marchait et il apporterait du chocolat chaud pour son fils, pour son très froid. Et il le ferait. Il passerait par. Mais ce garçon était différent, ce garçon verrait des choses. Ce garçon n'était pas normal, et quand il marchait un après-midi, aller là où papa travaillait. Ce garçon remarquerait des choses que d'autres personnes remarqueraient. Il voit des choses que les autres ne verraient pas. Il voit un homme en peignoir au milieu de la rue qui crie à la fenêtre d'un deuxième étage. Il voit une femme qui est très en colère contre lui et ne veut pas vraiment entendre ce qu'il dit. Ce garçon, comme le reste du monde, se bouscule par. Il ralentit. Il voit la douleur et la douleur. Il voit l'angoisse et le chagrin. Il voit la fenêtre fermée et un homme désespéré essayant. Ce qu'il a fait n'a pas d'importance. Et ce garçon verrait ces choses. Son père se précipite et le prend par la main et dit « Allons être en retard. » Il s'arrêtait et regardait une fois de plus. Puis j'arrêtais sa douleur. Puis je l'empêchais de la blesser. Mais le garçon aimait son père. Il irait et ils attrapaient le chariot. Je pense que c'est comme ça que tu l'appelles ici. On l'appelle un tram. Ouais, je ne sais pas. Je ne connais pas les mots. Mais il y allait avec son père, et le garçon remarquerait juste les gens. Il regarderait, ce jour-là, un en particulier. Il a remarqué quelque chose alors qu'il est entré dans le train. Explique toujours quelque chose, comme vous pouvez l'entendre. Il y a un train qui arrive, et je dois passer à travers ça avant que le train n'arrive ici. Il a vu un homme, il a vu une femme. Il a vu que l'homme semblait très heureux, et la femme semblait très triste. Et vous ne pouviez pas comprendre pourquoi ils pouvaient être ensemble, et l'un soit heureux, et l'autre triste. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Mais le petit garçon savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait ce sentiment, cet instinct qui était incroyable. Comment il s'est soucié des autres? Mais il n'aimait personne d'autre que son père. Il savait que son père l'aimait. Et alors qu'il regardait le monde, et leur douleur, et leur douleur. Il savait qu'il aurait toujours un père. Remarquez même ceci. J'ai besoin que tu comprennes. Comme vous entendez cette histoire, et s'impliquer dans la vie de cet homme et de son fils. J'ai besoin que tu remarques qu'il n'y a pas de maman. Alors qu'il se promène dans les bois, le garçon dira à son père, « Papa, que vais-je faire quand je serai grand? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un travail cool comme le tien. Comment vais-je travailler? Je ne sais pas.
Mais je veux changer le monde. Je veux faire quelque chose de génial. Je veux faire quelque chose de merveilleux. Je veux aider les gens. Je veux faire quelque chose qui pourrait changer la vie de n'importe qui. Je veux juste être aussi génial. Je veux juste faire quelque chose de bien. Et alors qu'il marchait avec son père disait, « Fils, tu seras génial. Tu seras génial. Tu vas changer le monde. Ta vie va être incroyable. » Il y avait un train qui arrivait. Il y a toujours un train qui arrive. Le train s'appelle la vie. Nous sommes tous dans le train de la vie. Juste à cheval. Que nous réalisions la vérité ou non, que nous réalisions ce qui se passe ou non. Nous sommes tous dans le même train ce soir. Seul Dieu a jugé bon pour nous d'être dans la même pièce. Dans la même voiture. Pour un moment comme celui-ci. Quand ils arriveront au bord de la voie ferrée, tu peux voir où travaille son père. Tu vois le pont? C'est ce que son père a fait. Tu vois que le pont était très, très important. Les bateaux devaient venir au port pour se détacher de leurs marchandises, pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Mais les trains venaient avec des gens, allaient d'une ville à l'autre. Pas beaucoup de voitures en Europe, donc ils ne pouvaient pas en utiliser beaucoup. Tant de gens, pas assez de routes. Donc tout le monde a été formé pour aller de la ville en ville, pour se rendre au travail et rentrer à la maison. Et un jour, le train arrivait. Ce que vous devez comprendre, ce garçon aimait aller travailler avec son père. Il resterait juste au bord de la rivière, et il ferait ce qu'il aimait le plus faire. Laisse-moi expliquer que... il aimait pêcher. Quelqu'un aime pêcher ici? Tous les gars y vont. Le père regarde son garçon et il dit, « Fils, maintenant, souviens-toi des règles. Tu dois rester ici, parce que je peux te voir par la fenêtre ici. Ne sors pas du côté de cette fenêtre, parce que tu dois y rester pour que je sache que tu es en sécurité. » Mais comme vous pouvez l'entendre, le train arrive. Le travail du père était cool. Si je n'avais pas de prédicateur, ça ne me dérangerait pas de faire ça. Se mettre au travail. Graissez-vous même si vous n'aviez pas à le faire. Et je viens de gicler sur toi. Comme si vous aviez l'impression d'avoir fait quelque chose. C'est ce que je ferais. Il y avait un bateau qui arrivait dans le port. Le timing est très essentiel. Je vais aller de l'avant et te donner la clé. La clé, c'est ça? Il y a toujours une lumière. Tout le monde dit lumière. Dis-le encore, une fois de plus, il y a une lumière que le conducteur de train a besoin de voir. Si cette lumière est verte, il peut y aller. Si c'est rouge, il doit s'arrêter. Tu vois que Dieu nous a donné des panneaux routiers dans notre vie, alors nous devons lire les lignes qui nous disent d'aller. Lignes qui nous disent de nous arrêter, que nous les lisions et que nous les croyons ou non. C'est à nous de décider. Et pourquoi certains d'entre vous sont tombés et tu ne peux pas te lever. Mais ce soir, c'est pour ça que je suis ici. Le bateau devait passer. Alors il a appelé. Et l'homme a dit, « D'accord, j'ai le temps. Il faut beaucoup de temps avant que le train n'arrive. » Alors il tire le levier, comme tu viens de le voir, et le grand pont en pierre et en acier. Les engrenages ont commencé à tourner. Ils ont commencé à faire tourner la vapeur. Tout d'un coup, les engrenages bougent. Et ce grand, un énorme pont commence tout juste à monter, au fur et à mesure qu'il monte de plus en plus haut. Il doit regarder et s'assurer que tout est prêt. Tout va bien, tout va bien. Alors qu'il regarde par la fenêtre, il pouvait tout voir. À papa étant un bon père, garde un œil sur son travail, mais l'autre œil sur son bébé. Un œil sur le monde, mais l'autre œil sur ses enfants. Tu penses que Dieu ne sait pas où tu es? Il garde un œil sur son monde et un œil sur son enfant. Peu importe ce que vous avez fait ou où vous avez été, c'est un œil sur le monde, mais les autres yeux sur toi. Il t'a regardé et il t'a gardé. Même si votre train descend la voie ferrée, il comprend que, et même si parfois, je ne sais pas quand me devancer. Voir la lumière rouge, il ne l'a pas vue. Tant de fois, on ne voit pas le feu rouge. Vois, ils disent juste, le train était tôt. Le garçon peut entendre et voir la vapeur. Et il regarde et dit, train de papa, 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 le train est tôt. Papa, tu as un, papa et papa, 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 le train arrive. Mais le père regardait les engrenages, s'assurait qu'il avait assez d'huile, s'assurait qu'il y avait assez de vapeur pour faire descendre le pont pour le train. Le garçon savait une chose maintenant, écoute. Le garçon savait que, son père une fois, lui a montré où se trouvait le déclencheur. C'était un levier rouge. S'il le tire, le pont du train va craquer rapidement. Et le train pourra tomber sur. Tout ce que le garçon savait était, il y avait des gens dans ce train. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Il y avait des gens qui l'avaient. Certains d'entre eux, juste avec leurs amis, passaient un bon moment, comme si tout allait bien. Ils ne savaient pas que le pont était en place. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ne font que vivre leur vie, comme toi et moi. Juste en train de descendre la route. Juste être notre propre truc. Faire notre propre truc. Et le père, tout d'un coup, entend le train venir. Il regarde et puis il est sorti. Avec mon fils. Il regarde dehors. Et son garçon est parti. Il est comme, oh mon Dieu. Où est mon fils? Où est mon fils? Il s'est levé et est descendu. Il regarde en arrière. Juste à temps pour voir son fils essayer de sauver la situation. Tout ce qu'il avait à faire était de tirer sur ce levier. Il tend la main pour le tirer.
et le garçon tire trop loin, et il tombe dans le trou. Maintenant c'est sur le Père, et Dieu le Père. Est-ce que tu m'as entendu? Dieu le Père doit faire un choix, c'est le sien maintenant. Est-ce que je sauve mon fils, ou est-ce que je sauve le monde? Mais ils ne savent même pas, ils ne savent même pas. La plus grande décision de sa vie. Il peut leur reprocher de ne pas voir la lumière rouge. Il peut blâmer, ça n'a plus d'importance. Tirez sur le levier, sauve le monde. Sauve ton fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il ne savait même pas. Il ne le saurait jamais. Je ne savais même pas que le train passe, c'est bien. Tout est cool, le pont est en panne comme toujours. Ça va toujours être en panne. Tu m'entends ce soir? Il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et tu sais ce qui est incroyable? Je me demande ce que Dieu a bien fait quand son fils est mort sur cette croix, quand il a fait son dernier souffle, quand il a pris cette respiration, et il a respiré et c'était fini. Voici à quoi aurait ressemblé le Père. Il ne savait même pas. J'essaie juste de penser à leur vie. J'essaie juste de comprendre ce qu'ils vont faire ensuite. Je pense juste à la personne qu'ils vont voir. Les gens avec qui ils vont passer du temps. J'essaie juste d'être. Juste aimer. Prendre soin n'a pas d'importance si vous êtes aveugle. Peu importe si vous vous maquillez un peu plus. Essayez d'avoir l'air joli pour quelqu'un. Ou juste porter un autre masque. Peu importe. Dieu a donné son fils. Pour toi? Où vais-je aller? Où vais-je aller quand je serai grand? Qui doit changer? Et il y avait une fille dans la salle de bain dans le train. Liquéfier son héroïne pour tirer une fois de plus. Il est mort pour elle. Et mourir pour elle. Mais en un instant, est-ce que tu écoutes? En un instant. Comme le dit la Bible, tout le monde a une chance en un instant. Pour voir le regard du Père quand il sait ce qu'il... Quand tu réaliseras ce qu'il a fait pour toi. Quand vous réalisez le sacrifice. Quand vous vous rendez compte qu'il a laissé son fils mourir pour qu'il puisse vivre. Quand tu te rends compte de ce qu'il a fait, peu importe ce que tu fais, peu importe où vous en êtes dans cette vie, peu importe ce dont vous faites partie, tu dois t'arrêter. Tu dois... t'arrêter même si c'est pour une seconde et penser. Mon Dieu, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Et je prie Dieu que tu laisses tomber ce que tu fais. Laisse tomber ce que tu fais. Avec toute la douleur et le chagrin du monde. Il l'a fait pour toi. C'est pour ça que tu es si calme. Tu vois l'arrivée du train? Le train arrive. Tout le monde a des choses. Vous avez des façons d'une image. Je ne veux pas le regarder. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas. Mais pourquoi est-ce que je continue à le faire? Même Paul a dit. Pourquoi est-ce que je fais? Ma chair me dit, et je fais ce que je sais être mal, et je ne fais pas ce que je sais être juste. Tu dois comprendre. Ce soir, le combat est en marche, et nous pouvons gagner. Nous devenons plus que des conquérants par Jésus-Christ. Et je ne prêche pas juste pour moi. Je prêche en votre nom. Oh, ce que tu dois comprendre, c'est, il devait y avoir un moment dans ces trois jours, quand Jésus est mort un vendredi, et s'est levé à nouveau. Un dimanche. Il devait y avoir ce moment. Vas-y, regarde-le. Quand c'était juste Dieu et son bébé. Nouvelle chanson. Tous les péchés qui ont jamais été commis dans ce monde vous traversent l'esprit en ce moment? Je suis là pour te dire,
que le soleil se couche dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à nouveau. Et quand le soleil se lève à nouveau, tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux changer ton avenir. Tu vois que c'est toujours un jour différent. Un jour, quelqu'un vit. Le lendemain, il meurt. Le lendemain, tu te réveilles et tu vis toujours. Tu es comme, pourquoi est-ce que je vais vivre? Pourquoi est-ce que ce doit être mon tour? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Tu peux juste prêcher, je ne peux pas m'arrêter, mais j'ai besoin que vous voyez toute la photo ici. Tu vois, parce que quand Dieu le Père a donné son Fils unique, quand Jésus-Christ a fait son dernier souffle qu'il est mort, il l'a fait d'une manière que vous ne pouvez jamais dire. Tu ne me connais pas, tu ne me comprends pas, Dieu ne comprend pas ma douleur, Dieu ne comprend pas mon chagrin. Tu vois, c'est le train même qui était, ce garçon était sûr. C'est le train même dans lequel il était. Et comme ce père s'en souvient, regarde de très près. Tu vois les photos des gens? Bam, ils sont là. Et il y a quelqu'un qui a été ajouté sur l'image dans le bam. Ils sont là. Tu vois qui a été ajouté sur chaque visage de chaque personne. Jésus est dans leur vie. Pourquoi? Parce que quand tu es le plus grand sacrifice, tu te retrouves toujours dans la vie de tout le monde. Peu importe où ils se trouvent, qui ils sont, il l'a fait pour que tu puisses dire, il était là tout le temps. Attendre patiemment dans la vie. Jésus-Christ était là tout le temps. Et le train continue. Le train continue de venir. Le train continue de bouger. Les gens continuent à vivre et les gens continuent de mourir. Et Dieu le Père ne fait que le regarder. Un œil sur le monde, l'autre est sur toi. Certains d'entre vous commencent à comprendre. Tu aimes ce qu'ils cherchent. Juste une fille. Parce qu'il a toute la journée horrible. Dieu n'avait les yeux que sur une seule personne. Et c'était juste le jour au coin de la rue. Quand il est passé, j'ai vu une fille avec un bébé. Et elle l'a vu. Est-ce que tu comprends? Toutes les choses sont passées, voici, toutes les choses deviennent nouvelles. Il l'a fait pour que nous puissions vivre. Peu importe le péché, peu importe la douleur, peu importe le chagrin, le sacrifice était parfait. Et c'était pour toi. Et Dieu le Père regarde tout. Et tout ce qu'il peut dire, est-ce plus? L'amour.